Bon, là je filme parce qu'il y a une grosse coulée de neige devant, quand ça a purgé. Voilà. On voit bien les beaux blocs. Voilà. Terrible. Il réapparaît tout doucement à la fonte de la neige, mais il y a cette partie-là. Alors tout ça, c'est vraiment de la merde. Hein. Du gros yaourt, c'est chargé de flotte. Bon, je viens de traverser là. Je me suis bien étalé là-dedans là. Là j'ai eu le pied dans le torrent, carrément j'ai traversé. Et ben, voilà ce qui reste des bâtons là. Voilà. Et paf, le bâton pété en deux. Là les ponts de neige comme ça, là, sur les torrents, les dernières névées, c'est la casse-gueule. C'est la caga. Tout allait bien. Mais il n'y avait que quoi, 20 cm. Putain. Quoi, j'aurais pu. Avec le poids du sac à dos là. Là, j'ai 21 kilos moi. Voilà. Joli, hein. Putain, la vache. Putain, deuxième gadin ce matin. Et c'est du facile. C'est du super facile. C'est de la rando. Hein. Putain, il y a un bâton. Ouais. Un bâton à zéro. Merde. T'as chier, quoi. Oh, putain de con. Merde, j'ai cru que j'allais passer bon, un bain de pied, d'avoir les pieds propres ce soir. Juste à les essuyer avec une petite serviette. Nickel. L'hygiène en montagne. Je suis vachement content. Et un bâton de cassé. Putain. Moi, je préfère que ce soit le bâton que ma gueule. Deux chutes déjà. Bon, bah voilà. Pendant que la soupe chauffe, tranquillos. Bon, bah le bâton cassé. Deuxième bâton cassé. Mais ça va, là j'ai du scotch. Un scotch avec des fibres dedans, j'en mets autour, ici et là. Et puis là, je vais mettre de la colle glue que j'ai. Et je mettrai du scotch en plus. Allez, zou. Je fais ça, puis je remonte commencer après. Allez, zou. On y va. On blinde comme ça. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Hein. C'est fait. Ça tiendra ce que ça tiendra, ça dépanne. Comme bien pratique, hein. Allez, je le ferme, il en reste un peu, et j'enquille, avant que ça sèche, voilà, hop. Maintenant, on va attendre toute la nuit que ça sèche, et je vais mettre le scotch autour, dans de la colle, j'en ai mis dans le tube, tout ça, dans les deux embouts, et j'en ai mis là aussi en extérieur, en plus, ce que je fais, on est refuge de bon oeil, en fait, je rajoute ça, j'en mets un poil, hein. Faut pas lui faire du mal. Et ça, j'aurai toujours ça en bâton, donc je sais qu'ils sont pas 100% efficaces, mais c'est déjà ça. Voilà, là ça va bien tenir, et pour pas perdre mon manchon là, j'en rajoute là, et j'en remettrai là aussi. Voilà. J'en ai un long, un court. Mais ça fera, je pourrais pas m'appuyer à fond, mais au moins, j'aurai des points d'appui. Je vais y aller doucement. Et zou. Bon, maintenant, la soupe. Ah, t'es tiré sur la corde, des crampons. Là, on est toujours corde tendue. Attends, je vérifie un truc. Ouais, ok, on continue. Allez, on avance et tu me fais une chute. Je te tiens. Je te tiens, c'est bon. Maintenant, plante ton piolet, tu te plantes, va chercher loin, voilà. Pour être à bout de bras. Cherche pas à monter tout de suite. Ce que tu cherches, c'est à bloquer. Là, tu vois, t'as pas la dragonne au poignet. Là, tu penses à monter. Ce qu'il faut là, c'est que tu arrives à te faire une marche et à te mettre debout. Pense à, voilà. Mais comme une canne aussi. Hein. Voilà. Voilà, stabilise-toi. Refais-toi des bonnes marches là. Tout de suite, continue à faire des bonnes marches. De la place, quelque chose de stable, de tassé. Voilà, top. C'est bon, debout. Et tu reprends ton souffle, tu récupères un peu. Hein. Dans le réflexe, on cherche à monter. Mais tu peux aller loin comme ça. Là, la chute était belle. En plus, elle a eu un petit pendule. Ouais. Tu as le droit de partir un peu sur la gauche. Et tu as vu le côté cuillère, la pelle. Là, avec la lame, tu accroches que dalle. Et là, bon, cette partie-là est un peu plus serrée, tu es quand même accroché.
Allez, c'est parti. Elle était belle ta chute là, le petit pendule, super. T'as vu, le mec, il assure bien là. Hein, là. Tu comprends? Donc, quand c'est ça, c'est pas que t'envoies la personne devant vers le danger du style je reste derrière, je suis le trouillard. Non, c'est parce que là, tu le tiens quoi. Dans la bretelle du sac à dos, là, tu mets le piolet. Là. Voilà, la lame. Ok. Comme ça. Partage le savoir. Ouais, attention, sur la boussole, l'azimut et tout. Regarde les astres aussi. Ça charge, le plafond descend. Crevé. Je suis vraiment crevé. J'en peux plus là. Je suis vidé.